enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois. Ils ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime, l'ignorance et la nuit qui commence l'abîme. Où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres, les ailes des esprits dans les pages des livres. Tout homme ouvrant un livre, y trouve une aile et peut. L'année là-haut où l'âme en liberté se meut, l'école est sanctuaire autant que la chapelle, l'alphabet que l'enfant avec son doigt est belle, contient sous chaque lettre une vertu, le cœur. S'éclaire doucement à cette humble lueur, donc aux petits enfants, donnez le livre, marchez la lampe en main pour qu'ils puissent vous suivre. La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, têtes inachevées, tristes instincts qui vont les prunelles crever, aveugles effrayants au regard sépulcral qui marchent à tâtons dans le monde moral. Allumons les esprits, c'est notre loi première, et du juif le plus vil, faisons une lumière. L'intelligence va être ouverte ici-bas, le germe a droit d'éclore, et qui ne pense pas, ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre, songeons-y bien, l'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. Je dis que ces voleurs possédaient un trésor, leur pensée immortelle, auguste si nécessaire, je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère, de se tourner vers vous, à qui le jour sourit. Et de vous demander compte de leurs esprits, je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fut la brute, je dis que je nous blâme et que je plains leur chute, je dis que ce sont eux les dépouillés. Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute. Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte? Ils sont les malheureux et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée éteint en eux la flamme et la société leur a volé leur âme. Je suis croyant. Je ne sais pas. Je suis croyante. Je crois en Dieu. Je suis athée. Moi aussi, je suis athée. Tu es ce que tu veux. Je suis bouddhiste. Je lis le Coran. Je lis la Bible. Je crois en Shiva, Brahma et Vishnu. Je lis la Torah. Je lis Albert Camus. Je lis des mangas. Tu lis ce que tu veux. Tu lis parfois Musset, Rimbaud, Colette. Ils te font lire les classiques. Et dans le fond, tu lis ce que tu veux. Dans le bus, dans ton lit. C'est me, myself and I. Tu t'installes. Tu pries. Tu scrolls. Tu TikTok. Tu lis de gauche à droite, de droite à gauche. Ta playlist est là. Tu rêves. Il y a cet espace d'infinie liberté. Le rêve. Les rêves des nuits. Pour le jour aussi, on a des projets. On a l'âge des possibles. On sait ce qu'on ne veut pas. On n'a pas trop envie de se rassembler nationalement. On aurait plutôt envie de se rassembler fraternellement. On a envie de liberté. On veut du respect. Tout l'alphanumérique, s'il le faut. L-G-B-T-Q-I. A plus. La liberté pour tous, l'égalité pour tous. Nous sommes du temps de l'archipel français. Nous cherchons une place. Nous cherchons notre place. Vous savez, là où on serait soi-même. Sans tension, sans risque, sans aide, avec un supplément bien-être. Vous laissez dans le bus votre place à l'inconnu vulnérable. Vous tenez la porte à celui ou celle qui entre. Vous savez que parfois il faut jouer des coudes. Vous savez que souvent la fraternité est en équilibre. Vous sentez qu'il y a du plomb dans l'air. Mais vous regardez quand même les autres. Vous pouvez vous asseoir à la même table, partager un film, un repas, une amitié. Elles sont là, les filles de la République. Marianne, Myriam, Mala, Moira, Marie, Lida. Et elles te disent avec vos terres. L'intolérance a couvert la terre de carnage. Elles te disent, indivisible, sois fier de ton identité, tes convictions, ta conscience. Accepte nos identités, nos convictions, notre conscience. Il y a de la place pour tout le monde. Quoi faire une chanson si elle est désarmée? Me disait des choses.
massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier, je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. Une chanson si elle était désarmée.